Couture. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, peut-être pour clarifier, je voudrais montrer à l'écran la liste qui est la première liste du dossier qui vous a été remis. Et il s'agit ici du document E3-98-53 qui contient le nom de Ross Sarun dont nous avons parlé tout à l'heure. Il s'agit de l'entrée numéro 6. Donc, monsieur le témoin, je suis sur le document E3-98-53. Si vous me permettez, monsieur le président, de l'afficher à l'écran. Donc voilà, vous, monsieur le témoin, vous avez soit une copie papier, soit sur l'écran. La liste avec l'entrée numéro 6 qui correspond au mari de la partie civile dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez donc le nom en khmer. Est-ce que le nom en khmer vous dit quelque chose ou toujours pas? Le nom encadré en rouge sur votre écran. E3-98-53. Je voulais juste que vous puissiez vérifier la façon dont le nom est orthographié en khmer, pour que nous n'ayons pas de confusion sur le nom. Est-ce que vous avez une difficulté pour trouver la liste? ខ្ញុំរកឃើញហើយតែសូមឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មនុស្សនោះទេហើយក៏ដល់សមមកពីមួយគេដាក់សកម្មពងសួរចម្លើយយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរ
Je vous remercie, c'est l'information que je souhaitais avoir. Donc nous allons passer à un autre cas. Et monsieur le témoin, je voudrais aborder maintenant le cas de deux Américains qui ont été incarcérés à S21. នេះពេលនេះគឺម៉ោងនេះឃើញមានវត្តមានមេធាវីដូរីចិនដែលហើយអវត្តមានមេធាវីបេតាកូពេដែលជាមេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីលោកកនុនជាសូមបញ្ជាក់ដើម្បីធ្វើជាប្រតិចរិទ្ធអំពីការអវត្តមានលោកមេធាវីបេតាកូពេដោយជំនួសដោយលោកស្រីមេធាវីដូរីចិនបាទសូមទីបន្តទៀតចុះ Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'aimerais aborder un autre cas. Il s'agit de celui de Michael Scott Dietz. Et je voudrais afficher à l'écran le document E3-1553. Je précise au fin de transcript que cette personne est mentionnée au numéro 12720 de la liste du co-juge d'instruction. Donc, si on peut mettre à l'écran avec votre permission, Monsieur le Président, E3-1553, et je vais donner les IRN en trois langues, 00088752 en Khmer, 011878845 en français, 01236389 en anglais. Si on peut voir le document à l'écran. Donc, monsieur le témoin, le frère de cette personne, qui s'appelle Timothy Scott Deeds, s'est constitué partie civile suite au décès de son frère à S21. Et pour les parties, je cite sa constitution de partie civile. Il s'agit du document E3-472. Sur le document qui est projeté à l'écran, on voit que cette personne, Michael Scott Dietz, est entré à S21 le 26 novembre 1978, qu'il venait de Kampong Saum. À la colonne position, il est indiqué Hawaï. Il est en position numéro 2 de la liste. Et en position numéro 1, vous avez la personne avec laquelle il a été interpellé au large de Kampong Saum, qui était M. Delancy. Il s'agit donc de deux ressortissants américains qui ont été interpellés à Kampong Saum et envoyés à S21. Est-ce que vous êtes familier de cette liste qui vous a été montrée aujourd'hui, monsieur le témoin? ជំរាបប្រសាសន៍អ្នកស្រីជនជាតិបរទេសពួកប្រចាំប្រទេសចូលមកសងភីមួយ4នាក់ពីលើកមុននៅសំណុំរឿងលេខ01មានពីរនាក់មកតាំងខ្លួនចាប់បានបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យនេះមកពីអ្នកថ្មីទៀតខ្ញុំសូមជំរាបថាពួកអស់នេះ สับแต่บันตัวตัวกาสู้จำลายให้ยึดถึงกำติกกำติกนี้มีการนายนำดักขาดเอาดดหนึ่งกาสู้กองล้านเอาออกกำเอาสอลเฉียงไม่สมจำเรียบคลายปนัง
Que saviez-vous à l'époque de ces deux occidentaux que vous venez de voir inscrits sur la liste? Il est indiqué qu'ils sont arrivés à S21 le 26 novembre 1978 de Kampong Saum. Et à la colonne position, il est indiqué Hawaï. Connaissiez-vous l'existence de ces détenus à l'époque? Et saviez-vous pourquoi ces Occidentaux ont été envoyés à S21 à l'époque? អរគុណលោកស្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងនេះចាប់បញ្ជូនដោយកងពលសមុទ្រពីកំពង់សោមមកភ្នំពេញគឺបញ្ជូនមកគណៈមជ្ឈិមហើយមជ្ឈិមបញ្ជូនទៅឲ្យសមភីមួយសួរចម្លើយនឹងកំតិច Je vous remercie. Je voudrais vous lire un extrait d'une de vos déclarations devant les co-juges d'instruction. Il s'agit du document E3/1570. C'est une de vos auditions devant les co-juges d'instruction en date du 29 novembre 2007. ERN en français 00154209, en anglais 00154194 et en khmer 00154224. Vous évoquez ces quatre occidentaux dont vous venez de parler et vous dites ceci, et je vous cite, ainsi, les quatre Occidentaux qui ont été tués puis brûlés sur ordre de Nguyen Chia l'ont été à proximité du carrefour du boulevard Mao Zedong et de la rue 163. À l'époque, il y avait un étang à cet endroit. C'est là aussi qu'ont été tués Von Vet, Chai Kim Ho et Nat. Dans cette audition, monsieur le témoin, vous êtes clair sur le fait que ces Occidentaux ont été tués puis brûlés sur ordre de Nguyen Chia. Pouvez-vous expliquer à la Cour comment vous savez que c'est Nguyen Chia qui a donné l'ordre d'exécuter et de brûler ces quatre Occidentaux? សូមអរគុណគាត់ហៅខ្ញុំទៅធ្វើការកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺនៅពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រះសុរាមរិទ្ធដល់ទៅគាត់ប្រាប់ថាពួកអាចមកស្រួចកំតិចឲ្យដុតវាឲ្យសេះឆេះសុខទៅកុំឲ្យសល់ យើងមិនធ្វើដូចគួយបាទេគួយបាគេទុកទាហានអាមេរិកកាំងដើម្បីដូរយកត្រាក់តយើងមិនធ្វើទេដុតឲ្យសោះឲ្យអស់ទៅកុំឲ្យសល់ផោះតាងនេះគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់មាត់នៅពេលដែលហៅខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ Saviez-vous à l'époque pourquoi il fallait les réduire en cendres? Pourquoi fallait-il brûler ces Occidentaux?
ខ្ញុំបាននិយាយហើយឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតការដុតកំទេចឲ្យអស់កុំឲ្យសល់គឺកុំឲ្យមានផោះតាងស្លាកស្នាមថាមានជនបរជនជនប្រជាប្រទេសមកយើងបានចាប់ហើយយើងបានកំទេច Hãy còn về thêm tiệt không xong về mà lo thì tại dưỡng mình thưa đôi cười bà thì cười bác thì tôi kể cho nào mà cắn đầm mấy đối của trạ tô ai dòng này dưỡng ăn thì dưỡng đốt ở ọt dòng nế xịt bất bình chi đánh nằm để không trở về thư tam Je vous remercie quand vous avez précisé l'endroit où ces personnes ont été brûlées, à proximité du carrefour du boulevard Mao Tse-tung et de la rue 163. Vous avez indiqué qu'il y avait un étang à cet endroit. Est-ce que vous confirmez qu'il y avait bien un étang à cet endroit? Et est-ce que cet étang servait à disposer des corps ou autre chose? ហើយតាពាំងហ្នឹងគេទុកសម្រាប់បោះសាកសពចូលទៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអរគុណសូមជម្រាបអ្នកស្រីថាដើមឡើយភូមិពេញមិនមានផ្ទះថ្មអីជ្រុងច្រាំងដូចពេលនេះទេកន្លែងហ្នឹងនៅសល់កម្ពូលព្រៃរដឹករដប់ច្រើនហើយមានតាពាំងមួយធំតិច Et une question plus logistique sur cet étang. Arrivait-il que des déchets ou des excréments soient déversés dans cet étang ou dans d'autres étangs à proximité de S21? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le souvenir? ភ្នំពេញកាលនោះគ្មានមនុស្សកុះកតទេនៅខាងត្បូងនោះបន្តិចមានកន្លែងដែលខាងក្រសួងអប់រំរបស់អ្នកបងជនជាតិតាំងទីនៅខាងជើងមកវាស្លាស់រហូតដល់ផ្លូវមនីវងនេះបើយើងនិយាយពីតាមផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវមកជាតង់ គ្មានមនុស្សអ៊ូអែទេគ្មានសម្រាមគ្មានអាចនោមអីទៅចូលក្នុងបានទេអត់ទេមានតែព្រីកំពូតកំពូតយើងអាចលាក់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពស្អីស្អីអញ្ចឹងបានស្រួលមិនដូចឥឡូវទេឥឡូវគេទៅជាផ្ទះថ្មឯណាច្រើន Et pour finir sur cette question, y avait-il un système de collecte et de transport d'excréments humains à S21? Pour être très concret, excréments de prisonniers et du personnel de S21, et est-ce que ces excréments étaient transportés? Et si oui, vers où? Est-ce que c'est une information dont vous disposiez à l'époque et dont vous avez le souvenir? ខ្ញុំរៀបអ្នកស្រីពួកបុគ្គលិកគេមានផ្ទះនៅគេមានបង្គន់អនាម័យបង្គន់ប្រើទឹកឯកចំណែកអ្នកទោះគឺមិនដឹងជាគេចាក់ត្រង់ណាទេ
ມັນຫນັງຈະກິດຈັດຕ້ອງນາງ Trong cái tình trạng nóng ngục không mình đang rừng nó cho bánh hạ chạy sát đánh đến khi chúng mình bọc kì thì không ổn bản đằng thì. Je vous remercie, c'est très clair. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur un certain nombre d'événements qui se sont produits à S21, ou en tout cas sur lesquels certains des témoins qui vous ont succédé ont parlé. Et je voudrais vous faire réagir sur ces événements pour savoir si vous en connaissiez l'existence. Je vais commencer en parlant d'un événement qui aurait impliqué un infirmier de S21, et je vais demander à mon confrère de prononcer le nom de cet infirmier pour qu'il n'y ait pas de difficulté de compréhension. Et ma première question, monsieur le témoin, sera de savoir si vous connaissez l'infirmier dont mon confrère va prononcer le nom. ពេតនោះឈ្មោះថាសឿងអរគុណពេតរបស់ស21ដូចគ្មានឈ្មោះសឿងប៉ុន្តែមានម្នាក់មេតបជុលមកឈឹម កាលពីឆ្នាំ 1975 ចុងឆ្នាំ 1976 នោះ Bọn xương nó cất chôn mà chung rồi cả hai. Tại vì bình dìa can nó có con nó bật chầm. Được chứ này. Không thả bơm. Mình mến bọn xương tới không ọt 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 thì. Je vais vous citer un passage du témoignage de Lakmil qui vous a précédé sur cette même chaise le 26 avril 2016. Je cite donc des transcripts qui ne sont pas définitifs et je me situe juste avant 11h05. 14 pour la première question et puis je vais lire un extrait de ce qu'a déclaré Lakmil au sujet d'un incident qui aurait impliqué un infirmier s'appelant Soon. Je vais commencer en citant la question qui était une question de Madame le juge Fens pour vous permettre de comprendre le contexte de la réponse de Lakmil. Question de Madame le juge Fens. Avez-vous eu connaissance d'incidents au cours desquels un gardien ou un interrogateur de S21 aurait agressé sexuellement une détenue et ensuite aurait été puni par les autorités pénitentiaires? Et Lakmil répond, des gens ont été punis. Soon, infirmier, accusé d'inconduite morale avec une patiente, a été puni. La question suivante de la juge se lit comme telle, et je la cite. Si j'ai bien compris, vous avez été le témoin de deux incidents d'agression sexuelle contre des détenus. Et Lakmil répond. Il y a eu deux cas initialement, et en plus de cela, il y a eu le cas de l'infirmier. Monsieur le témoin, est-ce que la lecture
de ce passage de l'audition de l'ACMIN, vous rafraîchit la mémoire et avez-vous le souvenir d'une agression sexuelle commise à S21 qui aurait impliqué un infirmier du nom de Sương? ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីឈ្មោះលាច់មានមិនដឹងជាលាច់មាននោះឬក៏លាច់មានមួយផ្សេងទៀតបើលាច់មានមួយនោះគាត់តាំងខ្លួនជាអ្នកសួរនៅសំភីមួយគាត់មកធ្វើសក្ខីកម្មនៅនេះក្នុងឋានៈគាត់ជាអតីតបុគ្គលិកសំភីមួយជាសក្សីដាក់បន្ទុកដល់ខ្ញុំ ដល់ចុងបញ្ចប់ខាងការិយាល័យសហប្រតិញ្ញាបង្ហាញហត្ថលេខាដែលគាត់សញ្ញាដែលឈ្មោះលាច់មាននោះសញ្ញាលើសេចក្តីរាយការណ៍ដល់ទៅបុគ្គលដែលមកបង្ហាញខ្លួននោះថាទេមិនមែនហត្ថលេខាខ្ញុំទេបើសិនជាលាច់មាននោះនឹងសូមអ្នកស្រីពិចារណាចុះឬមួយក៏លាច់មានបុគ្គលិកស21ទេគឺមក អានេះខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជូនជាការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយទី2បញ្ហាសែបសន្តិវៈនៅសង 21 ដូច្នេះសូមលើកបញ្ហានេះប៉ុណ្ណឹងបញ្ហារំលោភផ្លូវភេទនៅសម 21មិនកកុកអីចឹងទេហើយទី2លាច់មាននេះតើលាច់មានណាលាច់មានបុគ្គលិកពិតរបស់ខ្ញុំឬក៏លាច់មានដែលបង្ហាញខ្លួននៅសវនាការសម 21សំរឿងសំមួយដែលមកដាក់បន្ទុករបស់ខ្ញុំនឹងសូមគ្រប់ជួងអង្គប្រជុំពិចារណាចុះ Je vous remercie, monsieur le témoin. Je parlais de l'ancien interrogateur de S21 qui est venu témoigner le mois dernier devant cette chambre. Je parle bien de l'interrogateur de S21. Je vais vous citer un certain nombre d'autres cas et puis je vous demanderai si vous aviez connaissance de cet incident ou non. L'ACMIN, dans ce même témoignage, le 26 avril 2016, a évoqué un autre cas et il s'agit toujours du transcript provisoire du 26 avril 2016, juste après 10h44-16. Et l'ACMIN indique ceci. Je me souviens qu'un messager avait reconduit la prisonnière à la cellule de détention à la fin de l'interrogatoire. Lorsqu'ils sont arrivés à l'escalier, le messager a violé la prisonnière au niveau des escaliers. Question. Donc, si je comprends bien, vous avez été témoin de cet incident. Réponse, je n'en ai pas été le témoin. Je n'ai pas vu l'incident de mes yeux, mais le personnel du centre avait donné instruction aux personnes qui travaillaient à l'intérieur de ne pas suivre l'exemple de ce messager. Aviez-vous connaissance à l'époque d'un cas de viol sous la cage d'escalier qui aurait été commis par un messager? Est-ce que c'est un incident dont vous aviez connaissance à l'époque? Je suis un peu plus jeune. Comme votre corps là,
ខ្ញុំសង្ស័យណាស់ថាឡាចមានម្នាក់ដែលមកដាក់បន្ទុកឆ្លើយដាក់បន្ទុករបស់មកលើខ្ញុំនៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ 03មួយដោយខ្ញុំមិនចាប់ការិយាល័យសហប្រតិញ្ញាលើកឡើងថាហត្ថលេខាហ្នឹងឯងហត្ថលេខាលោកអេមានលក្ខហត្ថលេខាខ្ញុំទេខ្ញុំសង្ស័យណាស់ដូច្នេះខ្ញុំមិនឆ្លើយអីតទៅទៀតទេសូមបង្កប់បញ្ហានេះជូនអង្គជំនុំជម្រះលោកវិភាកហើយសម្រេចចិត្ត Je vous remercie, Monsieur le témoin, de ces précisions. Je voudrais continuer cette liste et me référer maintenant à un autre témoin qui vous a précédé sur cette même chaise, Monsieur Kim Hoi, qui est venu témoigner devant la Chambre le 4 mai 2016. Il s'agit toujours de transcripts provisoires. Et celui-ci parle d'un autre événement à 14h34. Il indique qu'un jeune gardien a violé une prisonnière. C'était une faute morale. Il a été arrêté, placé en détention et exécuté. Question. Vous souvenez-vous le nom de ce jeune gardien? Réponse. Je ne connaissais pas bien ce gardien. Il travaillait à l'intérieur, sous la supervision de Peng. Question. Comment avez-vous appris cet incident? Réponse. Les agents de sécurité de l'intérieur de Peng me l'ont dit à moi qui montais la garde à l'extérieur. On m'a dit qu'un gardien avait violé une prisonnière et qu'il avait été arrêté et placé en détention. Avez-vous un commentaire à faire sur cet événement? Étiez-vous au courant à l'époque? กองพิเศษบ่ซองเพิ่งมวยไอ้จำนายเป้งจะเป็นเจียกาท่อมไปเลยหุยเบอร์เป้งเบียเคิร์นเบียอัดรถตรีกาอ้อยหุยเต้เบียมอรีกาอ้อยโฮเมย์เบียตอลคือโฮไอ้ตามปุ๊บเบียจันมอรีกาดอกขยมแต่ตามปุ๊บเมย์ตอลบอกเก้คือโฮดูชนะเจียฉบับเจียมีนี้เติร์ตรีกาอ้อยโฮ Merci pour ces commentaires. Kim Hoi, le 4 mai 2016, a évoqué un autre événement. Et je suis juste avant 14h38. Il indique ceci, et je le cite. À S21, d'après mes souvenirs, un membre du personnel a été arrêté et placé en détention. Mais le cadenas n'était pas bien verrouillé. Le gardien a pu s'échapper et il est allé au Vietnam.
Et Kim Hui répond à une question sur l'existence d'incidents d'offenses à caractère moral. Il indique ceci juste après 14h38-08. Le gardien a été arrêté pour avoir commis une faute morale avec une prisonnière. Quant à la victime du viol, cette femme a aussi été arrêtée et tuée. Et il indique plus loin, à 15h02-05, cette personne s'appelle Choi. C'était un ancien garde à S21. Il a fui la prison et a atteint le Vietnam. Il a quitté le Vietnam en 1979 et rentré au Cambodge et devenu policier. Il est à présent décédé. Avez-vous un commentaire à faire sur le témoignage de Kim Hoi? Bà sân dì miên dư tử chôn rốt mến. Rương ấy có lẽ chung mùi mật hô màn chết đài. À rương khăn ông gặp hiệu lẽ chung mùi mật hô ọt chết thì kì là ắt mắt. Càng nhiệt thì khăn ông rương ông chăng chăng. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais évoquer avec vous le cas d'une partie civile dont l'histoire est citée dans l'ordonnance de clôture qui saisit ce tribunal dans ce procès, au paragraphe 458. Et je souhaiterais évoquer son PV d'audition devant le co-juge d'instruction E3-56-02. Mais peut-être avant d'évoquer ce PV, je voudrais vous poser une question ouverte comme le veut l'usage. Avez-vous entendu parler à l'époque, lorsque vous étiez à S21, d'un viol qui aurait été commis par Chumpoy. រឿងជុំផលនេះគេមិនត្រឹមត្រូវឡើយរឿងជុំផលនេះពេលដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ជុំផលនេះហើយគេយកទៅជន់របស់ខ្ញុំហើយស្រាប់តែលេចចេញថាជុំផលនេះទៅរំលោភលើអ្នកទោសម្នាក់អស់ណែស្រីម្នាក់ដែលមិនដឹងគេមកពីណាខ្ញុំមិនដឹងឃើញនៅសំភៃមួយលេចបញ្ហានេះដូច្នេះវារឿងជុំផលនេះគេមិនត្រឹមត្រូវឡើយរឿងជុំផលនេះពេលដើមខ្ញុំមិនស្គាល់ទេនិយាយត្រង់មកអង្គជំនុំជម្រះជុំផលនេះមកវាស្រុកខាងប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំយកមកចូលសំភៃ
bạn mẹ chúng ta ó con trai nhóm prosaun ấy làm lái chiếc prothien này chiếc nhiệt sa bọc nhóm chỉ còn cà phê bọc nhóm đào thầm tích nhóm phục vụ lại mình hỗ đặt không con bị xe ngồi chun phở là cận chỗ là không con bị xe lại rồi bán kem su là chun phở này ai có nhóm ọt đừng là kem su này ai nhỉ ọt kem than nâng há dù chun để kem trộn chết bình chết rồi ọt trong đừng trong khơi nhà má đây. Monsieur le témoin, monsieur le témoin, je me permets de vous interrompre parce que mon temps est compté et que je voulais simplement savoir si vous aviez connaissance de cet événement. Et je voudrais citer un passage de procès-verbal d'audition de cette partie civile de 3/56 et elle indique ceci, réponse numéro 1 dans toutes les langues. Elle parle d'un viol sur sa personne à S21. Ces histoires sont survenues lorsque j'étais prisonnière au centre S21. On m'a emmenée et on m'a enfermée dans une cellule seule. Le gardien, qui devait me veiller plus tard, venait de temps en temps m'apporter un peu de riz consistant. C'est environ 3 à 4 mois plus tard qu'il m'a viré. Il faisait partie du personnel du centre de S21 et elle donne son nom à la réponse numéro 8 dans toutes les langues du procès-verbal. Avez-vous une réaction par rapport à cet événement? Đồng bây trái nó không xung bần to một bí ông năng khẩm bành mình nè. Nếu bây giờ đăng thả chôn phá bất dịa nè hãy sẵn tới lịch chánh nằm môn nè. Trái thật mịt phá bán tới rộng lộp kì. Đối chân này rướng mình chăng. Đối chân này ai không tự tu sẵn dạng mây. Không đối lòng bạc nâng tự tu thả bánh hà nít chỉ cả bất. Mình lòng bạc đấy cứ mình tự tu sẵn thả bánh hà nít chỉ cả bất lời. Comment savez-vous que les choses ne se sont pas passées comme le raconte Dang Tha Rung Rao Lai Kat Lang Nuk Vee Man Aach Doj Avay Dail Nam Mon Nih Riep Rop Nuk Thee? Nih, Rung Rung Rop Nai So Ma Phi Mui Na Na Thu Hien. Kan Dal Mun Ti Mui Dai Min Nek Tu Rop Roy, Kong Ka Pia Rop Roy, Plung Chwat Chwain. Nghĩa dìm con bí xe, chót cho anh, nhá nát tự nhiên rùm lô bà đề bà đạp. Mình nghĩ thế. Mình nghĩ thế. Ây. Je vous remercie de cette réponse et aux fins de transcript. Vous expliquez la situation. Namon a été interrogé dans le cadre de ce dossier. Son histoire a été jugée suffisamment crédible par le juge pour qu'elle soit admise comme partie civile, comme victime directe de S21. Dans ce dossier, raison pour laquelle je vous pose à nouveau des questions sur cet incident. Je voudrais évoquer avec vous un autre événement. Mais avant cela, je voudrais savoir si vous connaissiez un interrogateur qui s'appelait Toy. Toy Squall.
Savez-vous ce qu'il est arrivé à Toy lorsqu'il était interrogateur à l'Assemblée? Je voudrais afficher à l'écran une liste que vous avez également dans le dossier bleu que nous avons remis en début d'après-midi. Il s'agit de la liste E3-10-460, liste de prisonniers entrés le 3 mars 1977. Et je voudrais que M. Témoin et les partis se réfèrent à l'entrée numéro 14. Il s'agit d'une personne dont l'alias est qui a été arrêté AS21 et à la case position, il est indiqué combattant de l'interrogation AS21. Monsieur le Président, si vous nous autorisez à afficher la liste à l'écran pour que nous puissions tous la visionner. Monsieur le Président, si vous nous autorisez. Donc voilà, vous avez dans le cadre rouge l'entrée numéro 14. Vous pouvez lire le nom, l'alias, la position de cette personne. La liste est intitulée « Liste de prisonniers entrés le 3 mars 1977 ». Est-ce que cette liste vous dit quelque chose et est-ce que Toy a été interpellé à un moment AS21? Monsieur le témoin, pour vous aider, nous avons mis un petit, C'est la première page du document, monsieur le témoin, et c'est l'URN que j'aurais peut-être dû vous donner, 0-1-1-6-0-1-6-0. Donc nous sommes à la première page, à l'entrée numéro 14. Est-ce que cette entrée numéro 14 correspond à ce Toy dont vous venez de parler, cet interrogateur qui avait du mal à finir les choses? Donc
Donc ce que vous nous dites, c'est que le TOEIC qui est présent à l'entrée numéro 14 de cette liste, et qui est marqué comme membre de l'interrogation, combatant of interrogation in S21, pour reprendre exactement ce que Jésus dit, vous nous dites que vous ne connaissez pas cette personne, c'est exact. Vous ne connaissiez pas nécessairement tout le personnel à S21. Je vous remercie de cette précision. Je voudrais vous citer à nouveau des témoignages de personnes qui vous ont précédé sur cette même chaise concernant un incident qui aurait impliqué ce dénommé TOEIC. C'est un incident qui a également été discuté dans votre procès, dans le dossier 1. Je vais peut-être commencer par un extrait d'un transcript de votre propre dossier pour vous rafraîchir la mémoire, puisque vous étiez nécessairement présent lorsque cela a été discuté. Donc, il s'agit du transcript 2/3/64/63. Donc, il s'agit d'un transcript du cas numéro 1. Et je vais vous lire un extrait à 15h53-50. Toujours sur le même sujet, la question est la suivante. Étiez-vous au courant de quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est Prakkan qui répond à une question du juge Laverne à l'époque. Et Prakkan indique ceci. L'incident a eu lieu à l'arrière de la maison où j'étais. Touille, qui était un proche associé de Chan et qui habitait dans une maison près du chenal d'Aigu et en face de la mienne, eh bien, il s'est passé la chose suivante. Touille faisait l'interrogatoire d'une détenue donc derrière ma maison et il a violé cette femme dans la pièce. Et quelqu'un a vu la scène et il en a été fait rapport à Chan. Chan l'a arrêté et l'a enchaîné dans la maison. Mais là, Toi a sauté de cette maison sur des bananiers, puis sur le sol. Par la suite, il a été remis en chaîne, réenchaîné et il a fini par être transféré à la prison. Cet événement vous inspire-t-il un commentaire particulier, monsieur? អ្នកដែលមាននិរសាមានតែ 3 អ្នកគ្នាខ្ញុំគឺខ្ញុំមិត្តហោហើយនិងមិត្តហ្វុយបងមុំណៃអត់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះទេគ្មាននិរសាទេ
ហើយឥឡូវស្រាប់តែរឹកចេញមិនទូចឯណាមកជានេះខ្ញុំមិនដឹងនេះរឿងនេះដូចនេះរឿងប្រខនខ្ញុំអត់ដឹងទេដែលមិនប្រខនអធិប្បាយនេះខ្ញុំអត់ដឹងអំពីបញ្ហាសិលធម៌នេះហីដូចស្អីឆ្កាំមែនទេណាសំពីមួយរឿងសិលធម៌ cấm đăng cho mà riêng quất xóm phi mũi riêng sao thôi pour finir sur cet incident bà đam bay mình chắp âm pi hát ca nên để bẹp quan nó một tu avant la pause à au cas dont vous avez connaissance et qui a impliqué la femme de votre ancien professeur. Je voudrais vous poser une dernière question par rapport à cette liste. Vous avez vu qu'un interrogateur de S21 a été arrêté à S21. Vous nous indiquez ne pas connaître cet interrogateur. Fallait-il votre accord pour qu'un interrogateur ou pour qu'un membre du personnel de S21 soit arrêté? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se produisait quand un personnel de S21 était arrêté sur le lieu de ក្នុងបរិវេណទី31តែម្ដងចង់និយាយថាបើអត់មានការអនុញ្ញាតពីលោកទេມັນអាចចាប់បុគ្គលិកណាម្នាក់បានទេឬក៏យ៉ាងណាអរគុណការចាប់ចង់មនុស្សតើមានការអនុញ្ញាតពីខាងលើខ្ញុំទៅទៀតពីបងសំសេនឬពីពូនួនកំហុសអីរាយការណ៍ Quand vous dites que, et je cite ce que j'ai entendu en français, nous pouvions faire des rapports d'un conduite morale, mais c'était à l'échelon supérieur d'ordre de l'arrestation. Est-ce que vous avez des d'indications à nous fournir sur ce point? Tìm mối cư xong mình chạy thà. Bình trong đề cầm hốc xây cả đói, nơi có nông xo mà phí mùi ní, nhóm rìa cả. Khang lơ chỉ nè xâm rách ao chấp, rứ mình ao chạp. Bờ khang lơ xâm rách mình ao chạp tế, nhóm miền sức trống tại phát. Cần lại thử cả, phát, kia đã cách, anh nâng bật năng. Nâng tìm mùi, ai chăm lại, anh hà rìa cá cứ tầm ọc nía kì rìa cá máu. មិនហូររីកាមកខ្ញុំខ្ញុំបានតម្រឹងខ្ញុំទេទៅមេឬក៏ខ្ញុំរីកាពេលដែលមេហៅទៅធ្វើការប៉ណ្ណខ្ញុំច្រើនតែទេទៅប្រកាសមកជួបខ្ញុំរាល់តែល្ងាចតាមរយៈទូរស័ព្ទនេះជាមួយសុនសេនដល់ជាមួយពនួនគឺខ្ញុំតែជួបគាត់បានខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ មកមាត់ជូនជាការចាប់អារម្មណ៍តែតាមខ្ញុំចងចាំនៅពេលដែលសរុបសំណុំរឿងលេខ01នេះព្រះអញ្ញាខ្មែរព្រះអញ្ញាជាតិនេះជាលៀងថារោឃើញករណីមួយអំពីការរំលោភផ្លូវភេទតាមមួយនឹងនេះនៅសំភីមួយគឺរឿងដែលក្មេងៗវាទៅធ្វើបាបអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងតាមមួយនឹងខ្ញុំទទួល ប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំគិតថាมันមានជាការរំលោភផ្លូវភេទទេគឺជាវិន័យខុសទំនាស់វិន័យដែលអនុវត្តវិន័យមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះសរុបមកការរំលោភផ្លូវភេទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គជំនុំជម្រះយើងនៅសម័យសំណុំរឿងលេខ01ព្រះអញ្ញាគៀតសង្កេតរកឃើញតែមួយនឹង ឯចំណែកករណីនាងណាមុនហើយនឹងណែមិនឈុំឈុំផលក៏នៅក្នុងករណីសំណុំរឿងលេខ001ដែរ
ប៉ុន្តែអត់យកមកលាតត្រដាងដាក់បន្ទុកលើខ្ញុំទេអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទការរំលោភផ្លូវភេទហើយក៏អត់ដាក់បន្ទុកលើរបបបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅសំភីមួយដែរនេះខ្ញុំនិយាយតាមការដែលខ្ញុំចងចាំបាន sau đó mà vinh là bỏ bì cá thuyền chằng bị kế máu ồ bị hồ máu đọt nhóm nhóm sông vô bọt khang lơ làm bấy xâm rạch bộ sức xâm rạch chấp miễn tại khang lơ đi tung chân bà đi miễn tại khang lơ đi miễn sức xâm rạch chấp ai dòng này mình nói ai ọt nhân sức xâm rạch chấp nhưng ai chấp nhưng ai tự lúc khổ trời nát miền nơi sau ai cả xa chưa phát tàng quật chặt mà nó đau mặt ban từ chút bệnh chia bị kháng lấy quật chặt ăn cho nó mặt nít miền ai cả xa này rồi nơi mình đi sai sập bẫy đi sai sập lại nè nơi không ai cả xa quật để quật cha này ở bồng mồm này cha này và má chuyện đọc nhã được nhé, mắt na cả đôi, bắt chập một cục bàn đi, tóc tai ai chân tai mình chung bạc xem lại, nên là không bính cứ tóc tai, nơi nơi xong thì mũi tóc tai, ạ kệ xin ăn thì cả, phần đầu bằng son tên chân tay không mục bạc đấy, tóc tai, phun nguồn, bàn xem lại chập bàn, nước xong bây giờ anh chẳng, anh này chập bàn thế, ai rừng rụng lốp rơi hết. Tạm cao sau này thân bọc bởi anh ai chia liếng ta mà lướng nó thôi quân sắp nạc ca được ngày đi đó về lời chụp xâm rạc hơi ông bẹp bạc ca ạ kênh tâm nạc ca sạm nạc ca sạm nạc ca này tâm đi sạm ca lưu tâm tổ thuyền được ngày chắn thì đọc bay khai mì tổ nai cho nằm vì bọn đọc mũi đây nó chạp đau vì mong một buồn bực hay giảm là càng được ngày chăn đầm sập đặc rồi những ông nhầm đen đừng vào to thưa sầm là các áp đặc hay cam xạ giấy càng kỳ yêu hoặc định sông phi kỳ chiếp đừng chơi nhiều rùm tam về với liệp an cầm nọ đi hay ông nhầm đen sông ở quân lục càng kỳ yêu hoặc định sầm là các áp đặc hay cam một lúc không thanh lại chia xạ giấy nơi mình chọn chọn là lời tí ông nhầm đen có hai lục mọi em to đặc hay cam tiết được ngày chăn đầm sập đặc rồi hay bộ cọp với anh đẹp thì không kháng non luôn chuẩn chuẩn chọn từng vì rùm nâng xã xây căng cái ý từ lọc từ căn một tí không khang này ở vô tư co bên chó nâng bộ co bài nông khuôn từ chọc chọc nâng bí rút nâng xã xây từ lọc cho rùm xạm nạ cá nâng thằng ngày chăn tí đọc bay khai mình ra chăn nâng bí bọn đọc bộ môi bàn màu buồn bực hay đầy lấy lúc căng cái ý xong ôi nông khuôn con bộ căn lại bắt đọc khai cắm nông bộ túc xạm nạ cá ní nâng bí leo màu buồn cút xâm rạ chó xong trên các chó